Wow.
Bye-bye.
Je suis vraiment génial. Si je connecte un de ces lapins extraterrestres à mes électrodes, j'arriverai enfin à déchiffrer leur ADN et alors je pourrai sauver l'humanité. Ben, viens m'aider à plier tes chaussettes. J'arrive, maman. Wow, 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 wow!
Première phase de l'opération, capturer un de ces aliens. Il est fou ce type. Hein? Waouh, ça alors, c'est sûrement un alien mutant. Salut toi, souris, t'es dans la boîte. Ça y est, tout est prêt. On va commencer l'analyse séquentielle. Nous allons enfin pouvoir faire la lumière sur le mystère qui entoure les lapins crétins. Plus que quelques secondes avant que le monde ne perce leurs secrets. Et tout ça grâce à moi. Je dois t'empêcher de détruire le monde. Quoi, tu vois? Du coup, ça mange quoi déjà? Hein? Des petits pots? C'est dans quel rayon ça? Ça c'est bien, moi. Rhum raisin, ça peut être bien, non? Ou fraise vanille? Oh, no!
Chérie, est-ce que tu veux que je prenne des aubergines aussi? Oh.
Départ dans 3, 2, 1. C'est grand, blond, et il habite juste en face de chez moi. Est-ce que ça va, Dolly? Je t'aime, maman! Je t'aime, maman! Hé, tu es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, Zoé, ma poupée, arrêtez de parler! Tu sais quoi, hier, il est même venu me voir. Zoé, il faut changer les piles! Chut! Ouais, il pouvait pas aligner trois mots, il est devenu tout rouge, c'était trop mignon. Ouais, c'est clair. Miam, miam, miam! Ferme ses portes dans 5 minutes. Waouh! Alors, voyons voir. Je t'aime, maman!
Tu veux lui dire bonjour? Je t'aime, maman. Non, pas vrai. Bon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Recherche de déchets activée. Léon, je suis en dehors dans le magasin, ouvrez-moi! Et il veut qu'on aille voir Alien Zombie Z. Non, mais t'imagines? Zoé! C'est pas marrant! On est coincé ici, il faut qu'on sorte! T'as raison, on devrait en profiter. On a tout le supermarché, rien que pour nous. Il faut que je donne son goûter à Alice. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas encore râlé. Alice? Oh, Alice! Zoé! Zoé! J'ai une idée! Cette machine pourrait défoncer la porte! Éliminer déchets. Éliminer déchets. Bye-bye.
D'accord, ma puce. Ouais. Allez, on y va. Je t'aime, maman. Oh. Ouais. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Bois, bois, bois. Oh. Oh. On dirait un vrai. Il faut le dire à personne, c'est notre secret. Alice. C'est maman, il faut pas qu'elle te voie. Alice. Oh, c'est l'heure du goûter, ma puce. J'y arrive, maman. Oh, désolée. Elle ne t'a pas vu. Et maintenant, on joue. Ce boucan. C'est juste ma poupée qui parle, maman.
Oh,
D'aller le chercher tout seul. Vous, madame, approchez et contemplez. Voici le robot ménager du siècle. Il va transformer cette banane en un délicieux jus de fruits en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Une petite gorgée? Madame? Madame? Eh oh! Madame! Et toi, dégage de là! Fichez le camp! Oh, c'est ça que vous voulez? Dans ce cas. Ba 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 ba
En voilà une pour toi. Oui, elles sont gratuites, alors n'hésitez pas à approcher. Allez, voilà pour vous. Allez, qui n'a pas de casquette. Tout doit partir. Et voici la dernière. Ah!
boîte de fruits dont je raffole. Ouh, ça c'est une belle pièce de thon. C'est tellement rare de nos jours de trouver un poisson digne de ça. Wow.
Goûtez au piquant. Retrouvez Pepper Juice dans tous vos magasins. Ce Pepper Juice que je bois, c'est la meilleure boisson qui soit. Pepper or not Pepper, telle est la question. Jamais un jus ne fut si... Quoi? Hé! Hey! Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Hein? N'aie pas peur. Ouais, c'est à toi que je parle. Approche. Et voilà. Ah.
Hmm?
Pepper Juice! Quoi? Bizarre. Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah!
Buvez Pepper Juice et partez à la découverte du monde.
Mademoiselle. En fait, je n'ai fait que mon devoir, vous savez. Allons, je ne fais que mon travail. Maillot.
c'était strictement professionnel. Capitaine, je crois qu'on nous envoie des signaux. Quoi? Des signaux? Mais que disent-ils? Je préfère ne pas vous traduire, sir. Pourquoi? Ils sont en train de parler de votre momie. De ma mère? Really? Ils osent dire du mal de ma mère? Yes. Et aussi de votre père, de votre grand-mère, du père de votre grand-mère et de la richesse de votre tailleur. De mon tailleur? Oh! On ne plaisante pas avec le secourisme. C'est loin d'être un jeu. Alors c'est toi l'imbécile qui s'amuse à voler les maillots des nageurs, hein? Et toi là, regarde ce que t'as fait à mes cheveux. Alors comme ça on dit du mal de ma mère? Mais je ne faisais que mon travail. Et ce sont eux. Le pauvre chéri. Excuse-moi, mais lorsqu'on touche à mes cheveux, je ne réponds plus de rien. Quoi encore? Oh my, je ne pense pas que ça va vous plaire, sir. Oh.
Amusez-vous bien. Merci, ils sont trop mignons. À bientôt. C'était son idée, moi j'y suis pour rien. Non, c'est de sa faute à lui, c'est le petit qui a tout manigancé. Fais gaffe, c'est sûrement lui le chef. C'est juste une pieuvre. Ah! Oh non! Il y a une pieuvre! Quelle horreur! Faites quelque chose! Toi! Écarte-toi des vacanciers! Merci! Je n'ai fait que mon devoir. Encore toi! Hé! Hey. Ça suffit! Hé! Hey, mais c'est ma poisson! Ça, c'est dégoûtant! Hé, hey, toi! Je vais... Arrêtez de regarder mon poste de radio.
Oh.
Oh.
Précédemment dans les lapins crétins. Oh.
Oh, no, no, no.